Bonjour à tous les fans, tous les passionnés et tous les amoureux de taille japonaise et de jardin japonais. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la taille d'entretien d'un genévrier bleu à tronc multiple ou style Takanchitate. Pour la taille d'entretien, deux fois par an est le minimum, effectué en milieu de printemps et en fin d'automne. Plus on taille, plus le bourgeonnement est important. Les périodes des grosses chaleurs et des grosses gelées sont à éviter, le soleil et le gel occasionnant des brûlures sur les parties sectionnées et amplifiant le brunissement. À la différence de la taille de formation, on débute toujours par le sommet de l'arbre. On commence donc par tailler les masses de végétation situées aux extrémités des troncs. Le but est de restituer la forme que les masses de végétation, qu'on appelle aussi nuages ici en Occident, avaient lors des tailles précédentes. Il ne faut surtout pas que ces masses de végétation deviennent des boules, car au fil des années, notre niwaki finirait par ressembler à une taupière italienne. Pour ce faire, nous allons utiliser un sécateur ciseau ou une cisaille, en réservant cette dernière plutôt pour les très gros nuages de niwaki déjà avancés en maturité. Celui-ci n'étant travaillé que depuis 6 ans, le sécateur ciseau s'avère plus pratique, nous laissant en plus une main libre pour maintenir notre branche en place lorsque c'est nécessaire. Après ces quelques généralités, nous allons regarder maintenant plus précisément comment travailler un nuage en taille d'entretien. Avec notre sécateur ciseau, nous allons tailler le dessus de notre masse de végétation sensiblement au même endroit que les fois précédentes. Nous ne cherchons pas à ce que notre nuage prenne de l'épaisseur, mais plutôt qu'il s'étoffe et s'étende sur les côtés. Le dessous de cette masse de végétation va être débarrassé de tout ce qui pousse dirigé vers le bas. Pour le tailler, on s'inspire de la coque d'un bateau. Une fois fini, il doit lui ressembler, avec des parois légèrement bombées vers l'extérieur. Si la masse de végétation est suffisamment dense, on taillera de manière à obtenir une forme légèrement bombée. D'ailleurs, lorsque cette masse est suffisamment importante, l'arrondi vient pratiquement de lui-même. La petite balayette en fan de bambou typiquement japonaise nous permet de faire ressortir toutes les feuilles restées coincées dans la masse. Il suffit ensuite de retoucher légèrement. Voici donc notre niwaki entièrement taillé pour la belle saison à venir. Il ne nous reste plus qu'à aubanner l'extrémité des troncs qui ont encore tendance à remonter pour le moment, et le voici fin prêt.